J'avais repiqué il y a, je crois, ça devait être il y a un mois de ça quasiment, trois semaines, un mois. Ça a quasiment pas bougé pour l'instant. D'ailleurs, je vois que là, cette laitue, elle a été déracinée. J'espère que c'est pas le vert fil de fer. J'ai déjà eu ça dans mon autre serre et j'avais eu au potager. D'ailleurs, si c'est votre cas, que vous remarquez que vos laitues, c'est principalement les laitues qui sont déracinées, c'est sûrement le vert fil de fer. Si les feuilles, elles restent intactes en surface, enfin qu'elles sont pas mangées. Et pour ça, j'avais trouvé la solution. Il faut mettre des pommes de terre dans le sol, vous les enterrez autour de vos laitues. Et comme ça, le vert fil de fer, en fait, il préfère la pomme de terre. Alors, il ira loger à l'intérieur de la pomme de terre, se nourrir de ce qu'il y a dedans, mais il attaquera pas vos laitues. Voilà, au cas où ça vous arrive. Donc je vais semer cette zone que j'ai fini de travailler il y a quelques jours. Je vais semer, je pense, des épinards, des radis et des laitues. Puisque ici, comme vous le savez, à partir de avril, je vais planter toutes mes tomates. Donc il faudra que j'ai la place de libre. Je peux rien semer, donc il va me prendre du temps, comme les carottes ou autres. Eh ben Gigi, alors. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire ça, parce que là, pour aller atteindre au bout, ça va être compliqué. Semer, ça va aller, mais après, c'est pour récolter, ça va être compliqué, sans écraser tous les légumes. Donc je me dis, l'idéal serait que je circule par là et que je marche au milieu ici. Voilà. Comme ça, ça me fait une petite allée et je vais semer des épinards de ce côté et ici des laitues et des radis. Alors j'ai eu de la chance cette fois-ci, contrairement à ce côté où j'avais eu à enlever des énormes racines du sapin, là c'était pas le cas, il n'y a aucune racine. Donc j'ai vraiment de la chance et le sol est de bien meilleure qualité ici que là. Ici on voit qu'il est plus sableux, il est bien noir mais il est plus sableux. Là, il a quand même une meilleure texture. Faut dire que c'est sur cette zone que les poules de chair ont passé une majeure partie de leur temps et derrière la serre l'an dernier. Voilà pourquoi ici c'est de meilleure qualité. Alors par contre pour les épinards, c'est toujours mieux de faire tremper les graines. Moi je l'avais fait l'été dernier. Je sais pas si j'aurais pas dû le refaire cette fois-ci. Ah, il y a chat qui veut rentrer dans la serre. On verra bien ce que ça donne. Chat, tu peux pas entrer? Et pour les épinards, l'idéal, c'est de les semer quand le sol est encore bien frais. Ils ont du mal à germer quand il fait chaud.
Bon voilà, chat a fait des siennes. Il a couru partout dans les semis. Voilà, c'est fait. Alors les épinards, je les ai semés assez rapprochés. Vous pouvez voir, ils sont à quoi, 2-3 cm les uns des autres, maximum. J'ai sème rapprochés parce que la dernière fois que j'ai fait un semis d'épinards, j'ai plus espacé les graines que ça. Et résultat, je m'en suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup trop de place restante et que j'aurais pu en semer deux fois plus. Alors par contre, je les sème relativement en surface les graines en cette saison, puisque comme il fait froid, il va falloir qu'elles germent rapidement, qu'elles viennent chercher la lumière. Je crois qu'Ivy, elle n'est pas d'accord avec ce que je raconte. En fait, en hiver, je sème plus en surface du sol et en été, plus en profondeur. Parce qu'en hiver, on n'a pas de problème d'humidité, il ne fait pas trop chaud. En été, si je sème trop en surface, le sol il va sécher, il va craqueler et les graines germeront mal. Ici, donc là, on a des épinards. Voilà, 4 rangs d'épinards. Espérons que ça germe. Je croise les doigts. Et ici, sur cette ligne, j'ai semé des laitues. Laitue vulcane. J'aime bien celle-ci. Elle ressemble un peu à la merveille des quatre saisons avec des feuilles rouges et vertes. C'est une laitue à couper et elle est très précoce. Et sur la deuxième ligne, j'ai semé... Vous permettez les canards ? On peut discuter, s'il vous plaît ? Merci. Vous avez vu comme ils sont bien élevés, dis donc ? Voilà, alors j'ai semé des radis sur la deuxième ligne, mais seulement sur la moitié de la ligne. Parce qu'on n'a pas besoin de manger des tonnes de radis. Je les ai semés à 1 cm, les graines, 1 cm d'écart. Mais si on était en saison, qu'il faisait chaud et que j'avais déjà cultivé le sol plusieurs fois auparavant, mettons on serait au mois de juillet, là je les sèmerais avec beaucoup plus d'écart. Je me suis rendu compte que si on sème les graines plus écartées en saison, il y a moins de chances pour que les vers, vous savez, ils viennent manger à l'intérieur de nos radis et qu'ils nous les rendent inconsommables en fait. Parce que j'ai eu ce problème-là en été, ça m'arrive souvent, si je sème les radis trop rapprochés, j'ai des attaques et ils sont tous bouffés. Je retrouve des petits vers dedans, enfin bon, quand on les récolte après ça donne pas envie quoi. Donc sur la moitié de la ligne ici j'ai des radis et sur l'autre moitié j'ai mis des laitues Batavia. Et alors les graines il y en a plusieurs bien sûr, vous voyez ici il y en a 3 ou 4, parce que comme les laitues c'est difficile d'arriver à semer graine par graine, c'est pas grave, je récupérerai les petites pousses qui sont en trop et je les repiquerai derrière moi, juste là. Maintenant, il faut espérer surtout que les épinards germent. Et pour les radis, c'est cela. C'est comme des cherry belles, les petits radis ronds comme ça. J'ai aussi des radis français classiques, flamboyants. Mais je ne les ai pas encore semés, ceux-là, je suis un peu moins fan. De toute façon, je ne suis pas trop radis, alors j'en sème pas beaucoup à chaque fois. Maintenant, je vais refermer les rangs, recouvrir mes graines et puis arroser. Regardez là. Attendez. Vous voyez la grosse tête rouge là derrière ? Alors Justine, elle veut venir avec maman. Donc là pour les épinards, je pense que le plus important ça va être de garder vraiment un sol bien bien humide, puisque j'ai pas fait tremper les graines la veille. Puis si ça prend pas, je ferai tremper des graines et je recommencerai. Là on va encore avoir du froid pendant 2 jours à peu près et ensuite les températures remontent, il fera 6-7 degrés la nuit, 13 la journée et ce pendant une dizaine de jours. Alors si la météo ne ment pas, donc je me suis dit que ce serait le bon moment pour faire des semis en terre. Je dois dire que j'en ai jamais fait aussi tôt dans la saison, ce sera une première puisque d'habitude j'ai mon autre serre mais elle est toujours occupée par les poules. Voilà. Je ne vais pas tasser le sol puisque je vais arroser. Et je ne voudrais pas tasser parce que surtout, si jamais il fait froid et que le sol vient à prendre vraiment un grand coup de froid, il ne faudrait pas que ça gèle. Et si le sol est tassé, il gèle. Si le sol il est meuble, il gèle beaucoup moins. Il gèlera en surface mais pas en profondeur. Donc les graines ne gèleront pas. Je vais faire un arrosage assez léger, à part pour les épinards. Voilà, sur les laitues, vous voyez, les,
et les radis, je recouvre à peine. C'est des plus petites graines. La quantité de terre que vous rajoutez par-dessus vos graines, elle équivaut à la taille de la graine. Plus la graine est petite, moins vous rajoutez de terre par-dessus. Plus la graine est grosse, plus il faudra de terre en surface. Pour... Alors ? En tout cas, j'adore cette serre. Ça fait du bien de pouvoir jardiner au mois de janvier. Je vous l'emprunte. Oui, je vous le rends. Ici, je viens de recouvrir avec le voile qui est là tout à l'heure. J'espère que je ne vais pas oublier. Parce que j'ai oublié il y a quelques jours et il a fait trop froid. Et j'ai vu que les plants faisaient un peu la tronche le lendemain matin quand même. C'est Aquaduck. Content mon canard. Ça y est, Harry est totalement intégrée. Les autres sont enfin gentilles avec elle. Et la serre, même si vous la cultivez pas l'hiver, il faut... Oula, je vous ai accroché dans les fils, celle. La serre, même si vous la cultivez pas l'hiver, il faut absolument l'arroser de temps en temps, puisque elle prend pas l'eau hein, quand il pleut. Donc il faut y penser, sinon elle va vraiment se dessécher et vous aurez une terre qui sera pas fertile au printemps. Même avec en y mettant des poules. Donc moi, si j'arrose la serre, je fais ça seulement un jour où il pleut pas. Parce que je veux pas qu'en plus d'avoir de l'humidité dehors, elles aient de l'humidité dans la serre. Regardez-moi ça, c'est tout sale. Voilà. Ça va, Maxwell ? Regardez-moi ce tobu. Voilà, en comparaison. Regardez-moi cet œuf. Je sais pas qui me l'a sorti celui-là. Hein. Parce que je vois pas Harry me sortir un œuf aussi gros. Et en général, quand on a des très gros œufs comme ça, c'est des doubles jaunes. Et ça, ça intervient souvent durant les premières pontes. Et maintenant, les canetons, ils ont déménagé. Donc maintenant, ils sont passés sur du foin. Parce qu'ils sont assez grands. Ils craignent plus l'humidité et le froid. Ils commencent un peu à être plumés. Mais là, je les ai déplacés ici seulement aujourd'hui. Alors, ils sont encore stressés. Ils ont besoin de calme, ils ont tendance à pas trop sortir. Voilà, j'ai mis une feuille de papier ici pour protéger le sol, puisque ce sera leur petit coin. Alors, dites bonjour. Et les canards. Regardez comme il a grandi. Bon là, il est un peu stressé, je les ai pas pris depuis un moment avec moi, alors du coup, ils ont plus l'habitude. Il va falloir que je me remette à faire ça. Et je remarque que, je vais vous montrer, les plumes commencent à arriver ici, on les voit là. Tu vas être beau toi, dis donc.